Chers camarades, en tant que secrétaire général du syndicat national des magistrats Force ouvrière, je vous indique que notre syndicat votera le rapport d'activité et financier. Merci. Je remercie, au nom de FO Magistrats, les instances confédérales et fédérales de leur soutien indéfectible, particulièrement Jean-Claude Mailly et Pascal Pavageau. Premier syndicat confédéré dans la magistrature et seul syndicat confédéré dans la magistrature. Le syndicat national des magistrats Force ouvrière fêtera cette année ses 25 années d'existence. C'est pour nous, bien sûr, une satisfaction, mais elle n'est pas sans partage. D'abord parce que le syndicalisme judiciaire est en danger. Des voix s'élèvent pour pointer du doigt le syndicalisme en lui faisant porter toutes les carences de la justice. Un député déclarait encore il y a quelques semaines, publiquement, le système judiciaire est pourri par le syndicalisme qui est devenu l'un de ses plus grands maux. Voulez-vous son nom? Je vais vous le donner, Henri Guénot. Cette prise de position est affligeante, mais il ne faut pas l'ignorer, car elle exprime une tendance politique inquiétante qui progresse. Nous refusons cette méfiance envers le syndicalisme judiciaire, d'autant que la situation de la justice et des tribunaux n'a jamais été aussi préoccupante. La justice atteint un seuil critique dans la gestion de ses moyens humains et matériels. Les sous-effectifs de magistrats et la restriction des moyens matériels vont s'aggraver dans les 2 ans à venir par des départs massifs à la retraite non remplacés. Sur 8000 magistrats, à l'horizon 2020, 1400 départs sont prévus et non remplacés. Alors que la justice est de plus en plus sollicitée, mettant les magistrats en situation de souffrance au travail et les justiciables en insécurité juridique. Le découragement gagne les magistrats mis en difficulté pour répondre à la demande de justice. Quand nous essayons de tirer un bilan de la justice sur ces dernières années, il est à l'image de celui qu'on peut faire partout ailleurs. Le temps paraît avancer à reculons. Tous les constats d'une justice inadaptée à son époque n'ont fait que s'aggraver dans un monde qui change tous les jours, dans un sens lui-même de plus en plus inquiétant. Crise économique et régression sociale, insécurité, crise des valeurs, recul de l'État, tous ces problèmes appelleraient au moins une justice qui soit à la hauteur des espoirs que mettent en elle les citoyens, les salariés, les consommateurs, car elle est devenue souvent la dernière instance de régulation sur laquelle ils comptent, le dernier recours auquel ils se raccrochent. Mais les grandes réformes qui seraient nécessaires pour faire entrer réellement la justice dans le nouveau millénaire n'existent pas, même sur le papier. Elles laissent place aux affrontements partisans, un gouvernement défaisant ce que le précédent a fait, sans même s'interroger sur l'état de la société, sans évaluer au préalable ce qu'il faudrait changer et pourquoi, sans mesurer la portée de ces réformes, ni prévoir les moyens de les mettre en œuvre. À chaque fois, la loi perd de son crédit, puisqu'elle devient éphémère et varie au gré des majorités politiques ou des pressions des lobbies. La justice aurait besoin d'un cap clair, mais elle ajoute à l'incertitude d'un monde de plus en plus complexe, incertain et instable. FO Magistrats est le seul syndicat qui se batte pour une autre justice. Les syndicats maison sont pour l'un dans la cogestion, pour l'autre dans l'idéologie. FO Magistrats entend lancer en 2015 les débats de fond sur ce que devrait être la justice dans un esprit de vraie réforme. Pour cela, nous avons 2 atouts que nous comptons bien utiliser.
D'une part, celui d'appartenir à une confédération qui nous apporte la richesse de la diversité et de l'ancrage dans le monde réel. D'autre part, que Force ouvrière n'a jamais dérogé à l'esprit d'indépendance qui est, depuis sa création, sa raison d'être et qui est aussi une valeur essentielle de la justice. Mais cette indépendance a aussi un prix que les gouvernements successifs lui font durement payer par des discriminations qu'on voudrait d'un autre âge. Le ministère de la Justice nous refuse systématiquement depuis des années nos dotations de fonctionnement. Nous ne les obtenons qu'après de longs combats judiciaires et le ministère de la Justice entend maintenant modifier les règles de leur représentativité syndicale pour éliminer notre syndicat du paysage judiciaire. Ce combat que nous allons encore devoir mener montre que même en 2015, et quelle que soit la couleur du pouvoir, le droit syndical reste une conquête à défendre. Nous le ferons avec la conviction que le syndicalisme en général, et FO en particulier, sont porteurs d'un message plus que jamais indispensable, celui de la réforme dans l'indépendance. Nous nous inscrivons dans les combats que le Congrès devra décider pour mener le combat contre toutes ces réformes destructrices. Vive FO, vive FO Magistrats.